Bonjour. Parce qu'à la télé. Après, madame. Ils sont combien de personnes? Elle et son caméraman. Preneur de son, je vais appeler la personne. Parce que maintenant, c'est l'interaction. Oui. Pas de l'offre. Deux entrées. Et à ce moment-là, il y a vraiment une perception différente de ce qui est bien écrit. Oui. La moutarde. Je demandais de la moutarde. Mais bon, c'est pas. Je sais pas, Coco. Elle a très loin, moi. Avec lui, la main gauche et la tête sur le cymbale. 2000 à l'heure. Vous allez bien? Oui, il faut le savoir. L'idée des rentrées en prison, ça t'a dit quoi? Justement, je vous dirai peut-être plus après. Ah ouais? Mais. Une nouvelle expérience. Voilà, mon ressenti. Qu'est-ce que tu t'attends? Qu'est-ce que tu. Je sais pas encore, là, je sais pas. J'imagine. Il faut voir ça après. L'essentiel, c'est de leur donner un truc différent, qu'ils sortent un peu de leur quotidien de prison et que ça leur laisse un bon souvenir malgré tout, malgré le fait que ça réveille aussi des déchirures. Et après, je pense que ceux à qui ça apporte vraiment, finalement, et c'est dommage d'ailleurs que ce soit comme ça, je pense que c'est à nous. Tu sais, c'est un peu comme quand tu travailles avec des enfants ou avec des gens que tu es censé soi-disant guider ou soi-disant prendre en charge. Ben, au final, tu te rends compte qu'à la fin de ta journée, c'est les enfants qui t'ont appris beaucoup plus. Des concerts qui sont donnés surtout par des groupes composés de détenus, mais là c'est la première fois que le champ s'élargit d'une manière extraordinaire, puisque on a été impliqué dans le cadre de la 6e édition du festival européen, et c'est quelque chose d'extraordinaire de toutes les façons, que ce soit les détenus ou les gens de l'extérieur ou même nos collègues, ils sont vraiment 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 très étonnés. Il y a des moments où ils se posent des questions, ils se disent c'est pas vrai, ce n'est pas quand on leur dit qu'il y a tel ou tel groupe qui est là, qui est en train de passer à tel établissement. C'est vraiment, je pense que c'est quelque chose de très nouveau,
de par le monde, je pense. Hein. Je pense que c'est une expérience extraordinaire, du moins au niveau de, la région africaine. Quel groupe de l'établissement d'El Haraj qui va aussi chanter à l'extérieur. C'est aussi la première fois que ce groupe sort, ce groupe de détenus, qui va sortir, qui va chanter en plein public, qui va être à l'extérieur, qui va être comme tout le monde. Donc vraiment, on dit merci donc, à la personne et qui a eu l'idée d'impliquer que la sixième édition du festival européen soit que les établissements pénitentiaires soient intégrés à ce festival. C'est quelque chose d'extraordinaire et j'espère qu'il y aura d'autres manifestations, qu'il y aura d'autres échanges avec la Commission européenne. Et merci encore une fois. Merci pour nous et merci pour tous les détenus. Yeah.
Gnawa division, c'est génial. Ah, j'ai bien, Bien sûr, ils s'extériorisent même plus que nous finalement. Parce que moi, je ne sais pas si moi j'étais en prison, est-ce que j'aurais la force de danser devant tous les gens avec qui je suis en prison. Tu vois, nous on a joué dans les prisons en France, les prisonniers mènent nos doches, ils se lèvent pas. Et là, franchement, moi ça m'a fait plaisir, même à la Djamelé Dimou, à Tibourich, voilà. Très bête, mais le dernier. C'est ça. On n'a pas sur la base, on n'a même pas eu. On peut descendre bien le bus, mais de pause, en passant. Oui, je suis. Ça fait longtemps qu'on rêvait de faire ça. Et il y a eu cette occasion, et ben on est très content d'être là. J'ai bien aimé. Ça m'a fait rigoler de jouer là. Quoi. C'est pas tous les jours. Et ben voilà, quoi, je suis content que ça s'est bien passé. Voilà, moi je reste sans voix, ça m'a vraiment marqué. Et je suis fier d'avoir fait. Très fier. En espérant peut-être leur faire très bientôt, si on peut leur donner du bonheur. Moi je trouve que c'était bien, les gens ils ont bougé, ça a dansé un peu. Ça fait plaisir que les gens, même malgré qu'ils soient en prison, ça bouge, ça se donne. Voilà, c'est bien. C'était une bonne